Amigo, amigo. Moi, yo t'appelle All Eyes On Me. J'suis comme Ronaldo à Rio. Tout le monde osait, ça sent. On va à mon appartement, 450 mètres carrés, salon. Et on se fait une petite soirée ensemble. Belle joue, ça, hein. Celui qui veut tester qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo? J'ai fait trop d'oseille cette semaine. Calibré voiture que tout est réglo. Qui vais-je baiser, la mienne ou la tienne? La F2 est sur le maillot. Hey, on est quel jour? Ça me fait du bien de juste me reposer, j'ai pas du tout envie de bouger. Pas du tout envie de bouger, j'ai pas du tout envie d'aller en ville et tout. Mais je sais que j'ai pas envie de rester toute la journée, genre de maintenant jusqu'à ce soir dodo, à rien faire non plus, tu vois. Mais j'aurais bien aimé manger chez Martine. J'ai l'impression que ça vient d'un coup, mais honnêtement, je pense que c'est plus petit à petit. Mais là, bah, c'est tellement fort que du coup, je le ressens fort. J'ai la flemme de tout. Tu sais, c'est pas en mode je procrastine, tu vois, et je reste dans mon lit, je fais rien. C'est j'ai la flemme en mode, et me parlez pas. J'ai la flemme de m'embrouiller, j'ai la flemme qu'on me parle, j'ai la flemme que blablabla. J'ai la flemme de me prendre la tête. C'est plus ça, genre. Je pourrais grave me prendre la tête et être en mode, faut absolument que j'aille en ville, faut absolument que j'arrive à tout caler dans mon emploi du temps. Et non, ta gueule, on s'en fout là. Il est 15h30, je me fais des raviolis. C'est bon. Mais que je vise cette année-là ou les autres années de ma vie, je me suis oubliée. Et ça, c'est un fait. Et je l'ai voulu. Au niveau de ma vie perso et tout, j'étais grave en mode, bon, la vie, c'est fait que pour rigoler, donc on va rigoler. Non, Lola. Non, Lola. Là, petit à petit, je me rends compte que, voilà, faut revenir à la réalité. Dans le sens où, vas-y, Lola, mais prends du temps pour toi, genre. Prends du temps pour toi, arrête d'être pressée. Arrête de vivre dans le flou, arrête de te prendre la tête, arrête de tout vouloir, tout, en même temps, tout le temps. C'est ça, là. Là, tout ce que je viens d'énumérer, c'est les plus gros problèmes de ma vie. J'ai juste envie de... Ah, on respire. Et là, c'est ce que je fais, tu vois. Là, je m'écoute. En gros, c'est ça. Je suis contente. Et je suis trouvée à Paris. Et voilà, comme j'étais un peu... Bye bye, mamie. Un peu naïve, un peu... J'ai voyé tout le monde pour moi, tout était beau. Voilà, maman, elle peut être fière de moi. J'espère que c'est sec parce que putain. Allez là, dépêche-toi. Parce que là, tu vois, mes parents ils sont en vacances. Là, oui. La route, c'est pas fait sans faire tomber les dés. Aujourd'hui, je suis trop de bonne humeur. Il fait beau, il fait pas beau, on sait pas, on est perturbé au bout d'un moment. Nique ça. Nique ça. Je suis partagée. En ce moment, ça me fait du bien de vraiment être seule. Bon, quand je dis être seule, je dis pas forcément être vraiment dans une pleine solitude et être vraiment toute seule et passer ma semaine à voir personne. Être seule dans le sens plus où être en paix, genre. Je sors quand j'ai envie de sortir. Ma seule activité de la journée, c'est de voir Mathéo à 17h. Et point, tu vois. Alors que j'aurais pu vraiment, genre... bouger partout, faire plein de trucs, aller à droite, à gauche. Je me repose un peu. J'essaye de pas accumuler les sorties, de pas accumuler le monde. Y a des journées où je suis capable d'enchaîner 3 personnes. Enfin, c'est un speed dating ou quoi aujourd'hui. Je vois une pote à 14h, puis j'enchaîne direct avec une autre pote, puis j'enchaîne direct avec Clara, puis des trucs comme ça, tu vois. Lola, calme-toi. Vraiment, va boire de l'eau, calme-toi. Je profite vraiment, vraiment, vraiment de cette semaine pour faire des trucs... vraiment qui m'intéresse. Hier soir, je pensais à des trucs trop intéressants et j'ai oublié, ça m'énerve. Je galère à tourner la page avec quiconque dans ma vie du moment où j'ai aimé la personne. Aimé la personne. Quand par exemple un flirt s'arrête, il faut accepter que le flirt s'arrête, etc. Faut pas revenir, Ok. Au début de mes relations amoureuses, j'ai connu que des relations où on venait, on partait, on venait, on partait. Maé, c'était comme ça. Lubin, c'était comme ça. Oui, je suis sortie avec un garçon. Lila, c'est encore plus lointain, mais Lila, c'était comme ça. Soy, c'était comme ça. Mes 4 premières grosses relations. 4 ? Oh, putain. Dès ma seconde, dès le moment où je me suis plongée dans l'amour, mes 4 grosses relations qui m'ont impactée sont que des relations
plus ou moins dites toxiques, dans le sens où c'était des relations où ça s'arrêtait, mais ça s'arrêtait vraiment jamais. Du coup, déjà, moi, je connais l'amour dans ce truc de ça s'arrête, mais ça revient. On s'aime, on se déteste. Bref, donc ça déjà. Et je pense que quand, à un moment donné, je ressens quelque chose pour quelqu'un, ben, ça part jamais. Et j'ai l'impression que les autres, soit ils le cachent, soit ils sont dans le déni de ça, soit ils veulent pas raviver cette flamme. Et du coup, ils sont beaucoup plus genre, bah non, genre stop. Peut-être que c'est de la maturité et que moi je suis immature. Ou peut-être qu'ils sont plus rationnels et moi je suis plus émotionnelle. Déjà, j'aime pas quand ça m'échappe, j'aime pas quand ça va pas dans mon sens, j'aime pas quand je contrôle pas. Donc déjà, il y a tout ça. Et j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça me rend vulnérable, que moi je suis hyper émotionnelle et que je suis en mode mais tu me manques, mais ceci, mais viens on réessaye, nanana. Et que la personne en face, elle est juste en mode mais en fait, tais-toi, genre. En fait, là-bas la porte. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça le retour qu'on me fait. C'est vraiment genre, Lola, en fait, arrête de pleurer, arrête de m'aimer, t'es gênante. Genre, c'est fini, ça appartient au passé, c'est fini. Et moi, je suis là comme ça. Mais c'est ce que je ressens, en fait. Désolée de ressentir, en fait. Désolée que mes sentiments ne partent pas en 4 secondes. Désolée que du moment où tu m'as impacté, tu m'impacteras plus ou moins pour toujours. Désolée. Et je me sens genre hyper miskine quand je tombe sur des personnes plus rationnelles que émotionnelles et qui sont là en mode, ben non. Ben Lola, ben non. Et je suis en mode... Ta mère. Tout ce que je vis, tout ce que... Ah, moi, je crois énormément au destin. Je mise tout sur le destin. Et je pense que ça me permet aussi... Croire au destin, ça me permet aussi de relâcher la pression, surtout le stress qu'il y a dans mon cerveau, en mode, putain, je contrôle pas. Putain, qu'est-ce que je dois faire? Putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Mettre tout sur le destin, c'est en mode... De toute façon, c'est pas moi qui contrôle. Ça devait se passer comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Point. Et quand je mets le point, je suis juste en mode... I hate summer. I hate her crooked teeth. I hate her 1960s haircut. I hate her knobby knees. I hate her cockroach-shaped splotch on her neck. I hate the way she smacks her lips before she talks. I hate the way she sounds when she laughs. Ah oui, ok, j'ai laissé le linge tout hier. Tout hier, du coup. Je pense que là, c'est bien sec. What's up? Hier, j'ai eu un pic de dopamine. J'étais en mode, ah! Je veux faire quelque chose. Je veux... Je voulais genre un peu plus bouger, je voulais être en mode, je sais pas, je voulais sortir, je voulais pas être seule chez moi le soir, etc. Je me suis forcée à rester dans ce truc-là et genre à rester chez moi, tranquillement, nanana. Et comme tout passe, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va, genre ce moment-là appartient juste à hier. Et aujourd'hui c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je bouge gavée. Je suis pas contente. Je suis pas contente parce que je fais trop de trucs. Quand je fais rien, je suis pas contente parce que je fais rien. Et quand je fais trop de trucs, je suis pas contente parce que je fais trop de trucs. Donc tu vois, encore un problème chez moi où je suis jamais contente, je suis jamais satisfaite, je suis toujours en train de... Tu vois? Donc bon, déjà ça m'énerve. Je réfléchissais à tout ce que j'ai dit un peu hier et en fait je me suis rendu compte d'un truc. J'étais un peu énervée contre moi. Je suis souvent d'accord avec moi-même. Je m'aime, je suis d'accord avec ce que je ressens, je suis d'accord avec comment je suis, etc. Mais il y a un truc qui me saoule énormément chez moi et... C'est le fait de pas réussir à tourner la page avec qui que ce soit. Et ensuite, j'ai eu une réflexion, je me suis dit, Lola, t'es trop égoïste. T'es trop une manipulatrice, genre. Je pense toujours que les gens vont revenir. Je suis toujours dans un mindset où je me dis, mais en fait, si je te cours derrière, je vais réussir à te rattraper. Et puis c'est bon. Si j'ai fait une faute, je vais me faire pardonner. Et puis c'est bon. Mais non, en fait, c'est pas comme ça la vie. C'est pas parce que toi, t'es une bouffonne et que tu pardonnes tout que les gens vont le faire aussi, en fait. Il y a ce truc de, oui, j'ai l'habitude que les choses reviennent, et oui, il y a la nostalgie qui parle, parce que ça me fait mal de perdre des gens pour qui j'ai vraiment eu quelque chose, j'ai vraiment ressenti des choses. Mais j'ai aussi ce côté égoïste où je suis en mode, ben quoi, je reviens, pardonne-moi. Sois hyper contente que je revienne. Ben non, Lola, ben non. Ben peut-être que les gens, ils t'aiment plus. Peut-être que les gens, ils sont énervés contre toi. Peut-être que t'as donné une mauvaise image de toi. Voilà, voilà. T'as essayé de manipuler, t'as essayé de faire la pétasse. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est leur droit, tu vois. C'est leur droit. Je vais donner un exemple. J'ai parlé de Théa, comme ça, j'ai parlé d'amitié. Parce que si je commence à parler d'amour, je vais me faire embrouiller parce que je dis encore leur prénom dans mes vlogs. Bon, c'est bon. Théa, c'est mon ancienne pote. C'était vraiment genre mon bébé d'amour, tu vois. Et ça fait pile un an en plus. Ça fait pile un an qu'elle m'a dit, Lola, on arrête. Genre notre amitié, on arrête, c'est bon. Comme à mon habitude, j'ai forcé pour avoir cette fameuse discussion parce que moi, je ne vis que pour la dernière discussion. Et blablabla, bla bla, est-ce qu'on peut se voir? Et ma maman, j'ai pas compris, je comprends pas. Et c'est une réalité, tu vois. Je n'ai pas compris pourquoi notre amitié s'est arrêtée, etc. J'ai pas compris pourquoi
de son point de vue, genre je l'ai blessé ou une connerie comme ça. Et j'étais vraiment en mode, bah, pourquoi t'es sans cœur, genre pourquoi t'es sans cœur, pourquoi tu m'aimes plus d'un coup, pourquoi tu veux pas me donner cette discussion, pourquoi tu veux pas en fait. C'est hyper méchant ce que tu fais, t'es hyper méchante. Mais en fait, peut-être que c'est moi. Tu vois. Peut-être que c'est ma faute. Peut-être que je l'ai vraiment blessée et que je m'en suis pas rendu compte. Peut-être qu'elle a pas envie de me donner cette discussion parce qu'elle est trop énervée contre moi. Moi, je suis égoïste parce que je suis une enfant. Je suis égoïste parce que je veux que tout aille dans mon sens, tu vois. Et peut-être que elle a été égoïste de pas vouloir me revoir juste parce que, ben, dans tous les cas, elle sait qu'elle s'en fout. Et dans tous les cas, elle veut potentiellement se protéger. Et je l'ai mal vécu. Je pense qu'il faut que j'accepte. Parce que là, du coup, ça fait un an. Et ça me tient toujours à cœur. En fait, je suis obligée d'accepter, genre. Bêtement, là, j'aurais eu envie de lui envoyer un message et de lui dire « Je sais que tu pars à Paris. Est-ce qu'on peut se revoir avant que tu partes et que, genre, on se revoit plus jamais ou pas ?» Et je sais que j'aurais aimé qu'elle me dise oui. Je sais que ça m'aurait fait du bien, etc. Mais elle va encore dire non. Ça va encore la saouler de voir une notif de moi. Ça va encore l'énerver de voir que je suis derrière. Elle va encore râler, tu vois. Donc, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que voilà, maturité, elle veut pas me voir, elle veut pas me voir, point, tu vois, genre, c'est de l'harcèlement, c'est de l'harcèlement, il faut que j'accepte, et ça, je pense que c'est genre un côté hyper, hyper, hyper dur chez moi, et ça fait du mal à mon passé parce que ça le noircit, ça fait du mal à mon présent parce que je me tue avec ça, à vouloir faire revenir des gens qui ne veulent pas, et ça tue mon futur parce que du coup, je me bloque à viser loin, je me bloque à viser avec de nouvelles personnes parce que je suis bloquée avec les anciennes. Je m'exprime vraiment bien. Bref, parce que je parle de Théa, mais je pourrais parler de tellement d'autres personnes. C'est juste que bon, j'ai pas d'ego, genre. J'ai pas d'ego, j'ai pas de fierté. Et ça, je pense que c'est bien dans certains moments, je suis contente d'être comme ça. Mais dans d'autres moments, ça me tue. Ça me tue parce que du coup, je suis en pleine aisance d'envoyer des messages et d'être en mode « On peut se revoir !» Bon. Elle est où ta fierté, meuf? Elle est où ta fierté? Et je pense que des fois, ça m'aurait fait du bien d'avoir ça. Ça m'aurait fait du bien de pas harceler mes ex pour les revoir, en fait. Ça manque de fierté, ça manque de maturité, ça manque de recul, tu vois. C'est bien d'être émotionnel, mais je suis trop émotionnelle. Genre, vas-y, Lola. Vas-y, meuf. Hein. Sois indépendante. Ne pleure pas pour des choses du passé si eux ne pleurent pas pour toi. Je sais qu'il faut que j'évolue sur ça. C'est un gros point compliqué de ma vie. Mais je sais que bon, je vais grandir. Désolée d'aimer. La peine, elle a envie de quel 50 000 euros d'un coup. Avenue Montaigne ou la Samaritaine. 50 000 euros d'un coup. Je la connais à peine, elle a envie de quel 50 000 euros d'un coup. J'entends siffler les serpents du jardin d'Éden. Je peux pas compter sur la retraite, accumuler les dettes. Non, vraiment, c'est dead. J'ai la plus sexy dans mon bed. Elle me fait bisou câlin sous le plaid. 50 000 euros d'un coup, moins de soucis dessous, mais j'ai d'autres problèmes. Je mets tout dans la pierre, dans l'heure, dans l'art, dans l'or et les pierres. J'investis au père. Je peux pas compter sur la retraite, accumuler les dettes. Non, vraiment, c'est dead. C'est ce que je me disais dans mon bed. Je peux pas compter sur leur aide. Fais attention à leurs intentions. Ils voudraient que je saigne, ils voudraient que je sèche. Le cœur qui se dessèche et l'amour qui décède. Le ciel qui se déchaîne, moi j'ai pas le remède. Non. Tu voulais un burger? Bah oui. Et deux chips? Bah tu croqueras dans le mien. Pleure pas, vas-y. Bah oui. Pourquoi on a pas de burger? Parce que ta soeur elle arrête à ses pieds, ta soeur elle râle. Parce que c'est moi qui ai râlé. Et ta soeur elle râle. Toi t'as pas râlé, tu savais pas. C'est un cadeau pour moi? Oui, c'est un cadeau pour toi. Et je peux l'ouvrir? Bien sûr. J'espère que c'est un truc beau, hein. Oh bah. Wow, je t'aime! Putain! Ah! Ah! Mais t'es malade! Mon amour de ma vie, t'en as pris trois! Ouais. J'aime gaver. Today, je suis du bon vers Osgore. Mes parents, ils sont en vacances là-bas et du coup, je suis venue passer la journée. Je vais tranquillement me poser à la piscine et tout. Puis je rentrerai ce soir. Encore une journée de paix. Je suis trop contente. Oh, j'adore, purée, que personne ne me saoule. Je suis en totale paix. Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage. Un voyage venu d'ailleurs. Allumer le plus beau des feux. La lumière du plus beau des cieux vient du fond des yeux.
d'enfant bleu. On va pas se sentir exister, mais c'est le chemin, la clé. On va juste jouir, tu vois. Laylo, moi aussi. Jouir de chaque instant. C'est de l'amour, ouais. De détester quelqu'un. T'aimes tellement que tu aimes. Tu peux aussi lui faire extrêmement de mal. Parce que tu penses qu'il y a que toi qui mérite de lui donner tout ce mal. Personne d'autre peut lui donner autant de mal que toi, vu que c'est toi qui l'aime le plus. Enfin, c'est compliqué. J'entends gavé. T'as vu que je suis plus du tout B-Brown? Ouais. Genre, je l'ai remarqué là. Genre plus du tout. Genre je vis totalement moi. Jamais je me pose la question de ah carapace, ah est-ce que c'est moi, ah vulnérable. Je suis genre tout le temps que moi genre. C'est fou, non? C'est quand tu t'enfonces dans le doute. Et là le doute on l'éclaircit à chaque fois. C'est quand t'as trop la flemme de douter. Que je me protège du coup. Que tu vas mal réagir ou alors que tu vas juste plus réagir. Là il n'y a plus besoin de mal réagir ou de pas réagir. Vu que les choses on les centre sur toi. Et plus sur les situations qui sont extérieures à toi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'apaisement. Le coup qui t'a apaisé, dans le sens où tu utilises moins Booba. Reviens là, je t'entends pas. Mais il t'a niqué dans Lola, hein, souvent. Ben, pff, genre moi, en fait, du coup, que il, t'a fait, ça, il t'a fait te confronter à Lola au max, ce couple. Mais. Oui. Ça a été dur, hein. Enfin, là, c'est beaucoup moins dur, là. Hein. Mais ça a été. Ça a été dur parce que c'était nouveau. Mais honnêtement, je préfère me confronter à Lola de cette manière plutôt que d'enchaîner les flirts. Et de me confronter aux deux rôles chez moi qui se collent et qui sont en mode qu'est-ce que je fais. Je préfère littéralement la manière dont je me suis confrontée. Normal. Que comment je le faisais avant. Puis au moins là je suis vraiment en paix avec moi, même s'il reste toujours du travail. Je sais, il y a plein de peurs, etc. Mais en tout cas c'était des schémas à répéter. C'était oui. À répéter. Ça s'est fait, okay. C'est parce que ça devait se faire. C'est impossible que nous deux un jour on soit plus capable d'aimer autrui. On est trop nous-mêmes, on est trop sincères, on est trop sensibles pour ça. Même si demain on veut se conditionner. Je suis pas d'accord. Mais parce que toi t'es vraiment trop marqué par tes ex. Bon, je suis aussi marqué, trop marqué, mais jamais j'arrête d'aimer, genre. C'est même pas une question de marqué, c'est que j'ai été sali. Genre j'ai vraiment été utilisé. Après c'est aussi ma faute parce que j'ai voulu presque ouais, sauver resté. Les choses, tu vois. T'es resté. Parce que j'y crois vraiment, je sauve. Mais il y a un moment donné où tu vois, la tache noire sur le t-shirt blanc, elle grandit. Et c'est dur de l'enlever cette tache noire. On voit presque plus que ça, même si elle est petite sur le t-shirt blanc, on ne voit que le noir. Genre il y aura que la tache noire. Et ça c'est problématique parce que ça redéfinit ta nature. Je sais que si je continue comme ça, tu vois, si là j'avais une nouvelle relation et que je faisais encore le con à vouloir sauver les choses, je tomberais dans le truc où je peux plus avoir une relation saine. Genre où je vais avoir peur de me donner, où je vais pas vouloir qu'on me donne parce que ça me paraît anormal qu'on me donne. Et je vais être dans le vice, tu vois. Ok Lola. Mais vraiment. Ok Lola. Regarde, moi je m'en sors et je suis passée par exactement tout ce que tu viens de dire, genre la peur de donner et la peur qu'on me donne. Soy, elle m'a tellement aimé, c'était impossible pour moi. J'étais en mode, tu m'aimes trop, c'est trop mignon, mais tu m'aimes trop. Du coup, je vais faire de la merde, du coup, je me mets pas à fond dedans. Du coup, la fatalité, c'est sûr qu'à la fin de l'été, il y a séparation. Genre, il n'y a pas à m'aimer comme ça. Mais j'entends le truc de la tache noire et tout, parce que c'est vrai qu'on a vécu pareil en vivant différemment fois mille en même temps. Genre, t'es un garçon, tu vois, t'es un garçon. J'ai pas de fierté, j'ai pas d'écho. Toi, t'es un homme quand même. Donc ce truc, cette tache noire, elle te tape. Genre. Moi, je me rends moins compte qu'elle me tape. Parce que je suis une petite fille et tout. Toi, t'es un homme. Donc ça te tape plus de te faire genre utiliser comme ça par des petites bouffonnes. On sera toujours capable. Donc c'est qu'une question de temps. Mais je suis sûr que la perversion, ça peut vraiment s'incruster en toi. J'espère pour toi que tu seras plus dans ce mindset de sauver quelque chose. Si jamais il y a une prochaine relation, genre un prochain coup de cœur qui vient à toi, ben j'espère que tu ne te jetteras pas dedans. Mais de toute façon, il restera des trucs. Comme il reste des trucs dans moi, comme il reste des trucs dans toi, de tes deux autres ex. Ça veut dire que maintenant, tu dois vivre une relation sur la retenue au départ, avant de te donner. Moi, oui, ben c'est bien. Moi, si je mets une retenue, je ne peux pas l'enlever la retenue après. Genre, ça définit pour moi la relation.
si je peux pas te donner dès le début, j'avoue que c'est un peu con de dire tout te donner d'un coup, tu vois, mais genre si tu me fais vraiment croire que je peux tout te donner d'un coup, tu le feras. Je veux tout donner d'un coup, je veux pas me retenir parce que j'ai l'impression que sinon ça va faire de moi quelqu'un qui se retient tout le temps. Tu te retiens au début, petit à petit tu lâches. C'est ce que j'ai fait avec Lara. Au début, donc tu t'imposes une espèce de peur, une limite, une peur. Oui. Et ensuite, tu es censé enlever ta peur. Parce que la personne te montre que tu n'as plus besoin d'avoir peur. C'est pas tu donnes ta confiance directe, c'est tu attends de voir si tu peux faire confiance. Tu veux des preuves avant de donner ta confiance. Et pendant les preuves, tu es quand même toi-même, tu es quand même dedans, tu es juste pas à fond à fermer les yeux et à courir comme un golemon. Tu marches. Ouais. Mais c'est la même destination. De concilier le t'es dedans, mais t'es juste pas à fond. Tu marches. C'est trop bizarre. Tu marches au lieu de courir. Sauf que tu marches quand même, mais tu cours pas. Et tu marches dans l'amour, toi. T'es pas dans l'amour à ce moment-là. Mais ouais, mais ça existe pas. T'es pas dans l'amour. Mais oui, mais dans ces cas-là, de toute façon, l'amour de notre vie à nous deux, ça sera un coup de cœur, ça sera un coup de foudre. Oui. Ça sera l'énergie dans le regard. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, nous deux, voilà, on sait, il n'y a pas besoin de. Tu vois. On s'en bat les couilles. Juste, si t'as pas ce coup de cœur et si t'as pas cette alchimie dès le début, mais que tu veux quand même essayer parce que c'est toujours beau, tu marches. Okay. Et là, quand ça sera vraiment le coup de cœur, l'amour de ta vie, tu le vois dans les yeux comme ce que t'as ressenti pour moi. Tu couriras et puis voilà. Si tu veux courir, tu couriras. Mais si t'es pas sûr, si c'est pas un coup de cœur, tu marches. Ok. It's a good day, encore et encore. On est samedi, on est toujours dans la semaine de la paix. Aujourd'hui, rien ne peut m'arrêter. Il fait beau, je suis bien. Je fais que écouter Aya Nakamura. Ce soir, je sors. Dans ma tête, on est 42. Et yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando. Lo usted mamita quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando. Esta sola tú prefieres. Elle m'a dit à la fermeture de viens me voir et je suis pas allé la voir. Est-ce que c'est la brute qui avait plein de tatouages? Mais je sais même plus, elle était fine, elle était assez skinny. C'est celle qui était plutôt à la partie gauche. Elle était magnifique avec des beaux yeux bien orange marron, tu vois. Oh la 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 la, subhanallah, oh la la. Ah. Elle est trop belle, elle. Reviens. T'es trop nul. Elle m'a dit viens à la fin. Je crois que Marie, elle la connaît. Maintenant, parce que t'es pour moi. Là, il y a au moins 15 kilos d'alcool dans mon sang, là. Les cheveux, ils sont plaqués. Oh, le casque, je te le rends tranquillement. Franchement, fais attention sur la route. Fais attention à la route, tranquillement. Bonne nuit, mon amour. Bref, j'avais tellement envie de rester seule encore. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai réussi mon combat. J'ai réussi ma semaine de paix comme je voulais la réussir. Là, mes parents, ils sont rentrés. Hier, j'étais au bout de ma vie. Là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de la journée. Bon, je vais continuer d'être dans la paix. Mais ce que je voulais vous montrer et ce que je voulais réussir de cette semaine, je l'ai réussi chaque jour. Je suis gavée contente, je suis gavée fière de moi. Voilà. Tout est une question de volonté, en fait. Tout est une question de volonté. Je voulais ma semaine de paix. Et de samedi dernier jusqu'à samedi, il y a 2 jours, j'ai été en paix. Est-ce qu'on en parle ou pas? Il faut en parler. Parce que je peux pas parler de tous les sujets du monde et de pas parler de la scarification. Voilà, il faut dire le mot. Je déteste dire le mot. Je le dirai une fois, pas deux. Point. Là, qui sont en train de me regarder maintenant, il y en a forcément qui ont cette problématique ou qui ont déjà eu cette problématique dans leur vie. Appelez quelqu'un. Je vous en supplie, quand ça arrive, quand vous avez la pulsion, je vais pleurer. Quand vous avez la pulsion d'avoir envie de le faire, je vous en supplie. Appelez quelqu'un. Il y a forcément une personne minimum dans votre entourage qui le sait, qui ne vous juge pas, qui comprend, qui est là pour vous. Je vous en supplie, appelez cette personne. Je sais que ça paraît un peu genre, bah, c'est la honte, je ne vais pas appeler à la personne et dire je suis en crise de nerfs, j'ai envie d'aller dans la salle de bain, nanana. Si frère,
Si c'est une personne en qui tu as vraiment confiance et avec qui tu es vraiment proche, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Le nombre de fois où j'ai appelé Anouk quand j'étais en train de faire des crises de nerfs, parce que j'avais envie de le faire, mais au fond de moi, j'avais pas envie de le faire. Mais ça m'a sauvé, mais plein de fois. Plein de fois. Et je l'appelle et je lui dis juste, Anouk, s'il te plaît, là je suis en crise, je sais que j'ai envie de le faire, reste avec moi, rassure-moi, reste avec moi. Et je m'asseyais là. Je m'asseyais là. En boule dans le coin de la salle de bain. Et je mettais haut-parleur et elle me parlait. Elle me disait, ça va Lola, t'inquiète, le fais pas, tranquille. Et comme ça, tout redescendait. Il y avait une personne, mon cerveau il était concentré sur autre chose. Ça redescendait et je le faisais pas. Et je vous jure, c'est hyper important. C'est hyper important. Je dis pas que je vais jamais replonger. Je dis pas que la rechute, elle est à 0% ou quoi. Il y a toujours ce ressenti qui est plus fort que toi. Mais je vous jure, hein, je vous jure du plus profond de mon cœur, c'est que de la volonté. C'est pas parce que tu le fais que ça veut dire que t'es une merde et que t'as échoué et que t'as pas de volonté. Cette fois-ci, peut-être que c'était trop. Cette fois-ci, ton corps, il était plus puissant que toi. C'est pas grave. Par contre, pour la prochaine fois, faut que tu te promettes d'avoir plus de volonté. Tu vois, pas le mindset. Faut pas s'en vouloir. Hier, je l'aurais fait. Bon, si, j'aurais été énervée contre moi. Mais j'aurais dit, ok, là, je l'ai fait. Par contre, prochaine fois, je le fais pas, par contre. Genre, là, j'ai succombé. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord à succomber. Je suis plus forte que moi-même. Je suis plus forte que mon subconscient qui a envie de le faire. Life is good, prenez soin de vous. Du plus profond de mon cœur, j'en supplie, prenez soin de vous. Que ce soit pour ça ou que ce soit pour d'autres problématiques. Pitié. Brillez, continuez de briller. Faites attention à vous, pensez à votre bébé. Vous aime fort.